Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Binding of Isaac Afterbirth. Les amis, on part sur une nouvelle run en continue, on va jouer Isaac en normal et on va starter Proptosis. Alors là, vous vous dites les amis, mais qu'est-ce qu'il nous fait Monsieur Bleacher? Pourquoi il nous fait des folies comme ça? Tout simplement les amis, parce que c'est un peu ma run du kiff. Voilà, c'est l'épisode 150, on a parcouru on a parcouru beaucoup de choses sur Isaac. Et beaucoup de conneries surtout, je vous l'avoue. Et je me suis dit, bon, c'est très bien, mais maintenant j'ai juste envie là, après 150, enfin après 149 épisodes, le 150e, j'ai vraiment envie de la jouer cool, j'ai vraiment envie de la jouer détente et j'ai envie de le faire avec vous. Donc j'espère que ça vous plaît. On va faire une petite run tranquille, avec un bon item de départ, avec voilà, la tranquillité. Hop, on prend de l'argent, on est bien. À la bien. Et on protège même les Devil Deal avec un petit cœur bleu qu'on achète tranquillement au shop. Parce qu'il y a des moments où on oublie un peu trop le shop. Et faut quand même arrêter d'oublier ce dernier parce qu'il est important. Alors, il faut faire attention à lui, voilà. Il faut faire attention à ça. Il le fait pas toutes les 5 secondes normalement. Et il y en a un autre qui va spawn, voilà. Et il faut le buter avant qu'il spawn. Alors, sachant qu'en plus, il est inoffensif. Hein, donc, je peux vraiment le corps à corps comme un abruti. Non, pas ici. Ici, je peux pas le corps à corps comme un abruti. Ici, il y a peut-être plus de défense. Mais voilà, la tête, quand elle part du corps, elle est tranquille. Hein. Elle ne nous embête pas. Ça, c'est plus problématique. Ça aussi. Mais le reste, ça va. Ah, je me suis fait toucher parce que je suis débile. J'ai même pas attendu qu'il meure. Je suis quelqu'un d'assez concon. Bruh. Ah, il a dit concon. Ah, excellent. Bon item. Bonnie Tyler. C'est comme Bonnie Tam, mais en Tyler, quoi. Enfin, en Tyler même. Parce que M. Enfin. Allez, donc, les amis, on continue. Et on est bien. On est très bien. Vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a tous vu. Je l'ai tous vu, donc on est bien. Regardez la petite small raca qui est cachée là. Vous la sentez venir? Vous la sentez venir, la petite small rack? Presque. Ok, je l'ai tenté, je me suis dit peut-être que ça va être rentable. Et ça a été rentable puisque j'ai fait 4 bombes de bénéfices. Et j'ai même pas perdu de clé en ouvrant ce coffre. J'en ai pas gagné non plus, hein, mais j'en ai pas perdu. Ce qui est déjà un bien grand luxe. Phéromone, on s'en tape. Bonjour messieurs, je vais au shop. Ah bah j'ai 2 clés de toute façon, mais je compte aller au shop. Ok, et faisons une folie assez dingue, attention, boum, je viens d'acheter une clé, parce que sinon on va être en galère de clé pour la suite, on sera à une clé ainsi, c'est très bien, on va se prendre un petit HP up, pouf, et un petit reroll, et Jerome Rotten Baby, ça je prends, tu vois, ça va me faire finir avec swag et détermination, et avec mouche, donc même si on n'est pas guppy, on pourra se moucher, et ça c'est stylé. On remonte, on va partir donc à gauche parce qu'on n'a pas le choix, on a pris tous les autres itinéraires, on ne prend pas la batterie, ça ne sert à rien. On la prendra juste avant le boss si nécessaire. Ah bah le boss est juste ici, donc oui, ça va être nécessaire. Et on en a 2, donc c'est très cool. On prend la première, voilà, et direction le boss. Bonjour monsieur le boss. Ouh, Little Horn. Little Horn, alors c'est un peu facile dans certaines conditions, et on est dans les conditions où c'est un petit peu facile. C'est les conditions où on a un peu de dégâts, quoi. Et donc là, bah, je m'en fous un peu qu'il tombe sur ses propres bombes, alors que j'ai tendance à adorer qu'il tombe sur ses propres bombes. Là, j'ai juste à lui taper un peu sur la gueule, et il meurt, et il me file un Magic Mushroom, que j'aurais pas dû prendre, mais c'est pas grave. Oh, j'ai eu chaud. Et The Pact, oui. Et Guppy Scholar, oui. Et je ne veux pas jouer au Knife. Alors on va faire un truc risqué, mais c'est qu'on va sortir, aller prendre la batterie, revenir, et espérer que ce soit encore ouvert. La probabilité que ce soit le cas... Et bah elle est peut-être de 0, peut-être. Je connais pas bien ces stats là, mais peut-être qu'elle est de 0. Mais en soi, on a eu Magic Mushroom, on a eu The Pact. Oui, elle est fermée. On a eu Magic Mushroom, on a eu The Pact, ce qui fait que nos dégâts, ils ont fait oh. Et on est à 14.70. On a eu un item de Guppy, donc notre cœur, il a fait oui. Cérémonial Robe, c'est cool, dit-il en s'étouffant. Et voilà, je le prends. J'ai en fait hésité, j'ai failli ne pas le prendre. Alors, 4 de dégâts, c'est stylé, hein. 4 de dégâts, c'est pas rien du tout. Mais il y a un autre truc qui m'intéressait, en plus de ces 4 de dégâts, c'est de choper un item de Guppy à la place. Mais je pense que les 4 de dégâts étaient plus rentables.
Et j'ai bien fait de faire ça. Je pense. Après, je peux me tromper. Donc, c'est un... Et c'est aussi un peu ma run d'anniversaire, hein, parce que c'est mon anniversaire bientôt. Et il y aura pas d'Isaac avant mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est mardi, hein, c'est le 19. Il y aura pas d'Isaac avant mon anniversaire, ce qui fait que bah, ce sera un peu l'Isaac d'anniversaire. Ah putain, putain de caca. Donc voilà, donc il fallait que je me fasse un peu plaisir aussi. Je me fais mes cadeaux, hein. Voilà, j'aime pas quand on me fait des cadeaux, mais si c'est moi qui me fais des cadeaux, ça passe. Je suis un bon pote avec moi-même. Hop là. Hop là. Très bien, et direction le shop. Alors on n'a pas beaucoup de pognon, mais je suis toujours un partisan assez amer du shop. Et c'est l'emmerde là, hein. Mais on a augmenté nos chances de David Deal et on a accès à une batterie. Ce qui est plutôt utile si on a besoin d'une batterie, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais peut-être qu'un jour, ça le fera. L'idée, c'est que j'ai aussi envie de finir la partie le plus vite possible. Histoire de speedrunner plus ou moins. Bon, on va speedrunner en in-game time. Mais donc, je vais tenter de faire moins de 20 minutes pour le chest. Et alors, pourquoi je vous dis ça maintenant? Tout simplement parce que... Oh, oh merde, je voulais pas du tout prendre ça, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? Crève. Voilà. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Lump of Call, je prends. Tout simplement parce que si on fait table, voilà, vous voyez que j'ai pas la Treasure Room et que pourtant je vais me barrer parce que je joue le temps et donc il y a des sacrifices de Treasure Room à faire de temps en temps. Et c'est un sacrifice de Treasure Room que je viens de faire parce que je ne pense pas que j'ai besoin de plus de dégâts ou de plus que quoi que ce soit. En plus, mes larmes maintenant sont sombres, ce qui est beaucoup trop stylé. Et voilà, et on a une pince qu'on va utiliser dans la salle d'à côté au risque de mourir. Luck up, très bien. Je ne suis pas mort en prenant un luck up, c'est essentiel à ma survie de ne pas mourir. Wait, what? On récupère ça, on récupère ça. Ouh, le flat penny. Alors le flat penny, ça va nous faire ça. Ça ne fait rien. Attendez, what? Ah mais non, le flat penny, mon dieu. Oui, oui, non, le flat penny, ça va nous faire... Attendez, la démonstration arrive plus tard. Ok, nickel, j'ai esquivé. Il y avait un shop ici, je ne l'ai pas loupé, je vous rassure. Hop, là, nickel chrome. Et voilà, le trinket qu'on a pris, c'est ça. C'est ce petit trinket des familles qui va, à chaque fois qu'on nous donne de l'argent, avoir 50% de chance. Alors ça, c'est à vérifier la stat, mais 50% de chance de dropper une petite clé, mesdames et messieurs. Et ça va farmer nos clés à notre place. Quand on ramasse une clé, par contre, ça ne marche pas. Sinon, on passerait notre vie à regagner des clés, on marcherait sur des clés, on aurait des clés. Et indéfiniment, on serait les maîtres du monde. Non, je sais quelle est cette carte. Et elle ne m'intéresse pas. Toi, tu vas crever comme tous les autres. Alors, on va ici. On reroll. On reroll. Ça m'intéresse pas plus que ça. Là, il y a une Tinted Rock, je l'avais vu, vous inquiétez pas. J'en fais quoi? Je prends. Hein. Ouais, je prends. Parce que si j'ai un autre reroll, de toute façon, il servira pas à ça. Donc, je vais prendre la Celtic Cross, qui m'intéressait pas spécialement, mais qui ne me dérangeait pas non plus que ça. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Allez, crevez tous. Crevez tous, ça va bien se passer. Crevez tous, ça va bien se passer, merci. Le cœur rouge, on s'en fout. On a même des cœurs bleus en rab. Donc ça va, on n'est pas trop à plaindre. On est face à un Gurdy d'invocation. Donc on est vraiment pas à plaindre. Tout le monde, il est décédé. Oh, je suis obligé de le prendre, ce HP up. Attends, je vais essayer de le gruger. Ok, je voulais esquiver le HP up parce qu'il m'intéressait pas spécialement. Malheureusement, le mapping faisait qu'on était obligé de plus ou moins se le prendre dans la gueule. Donc, on se l'est pris dans la gueule. Et c'est pas très grave. J'aurais juste bien fait 100, en fait. J'aurais juste clairement fait 100. Hop là, on a pas mal de vie. Ce qui fait qu'on peut se permettre d'en perdre. Hop. On peut se permettre d'en perdre de manière assez éhontée. Et donc, on va faire ça. Pouf. Et voilà, donc le projet, en faisant ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est de devenir Guppy. Bon, dans les faits, ça nous a pas transformé en Guppy, mais on était quand même vachement heureux. J'ai failli ouvrir ce truc-là et je l'ai pas fait. Et j'ai bien eu de la chance parce que je ne souhaitais pas le faire. Enfin, je ne souhaitais pas le faire, je ne voulais pas le faire au final parce que c'était pas un coffre intéressant. Oh, il y en a partout, des ennemis relous.
ça devient insupportable. Du pognon, plein de pognon, très bien. Hop, on détruit tout le monde. Et on détruit tout le monde. Mais de toute façon, on a trop de dégâts. Hein. C'est trop facile. Enfin, je suis obligé de détruire les gens. C'est-à-dire que mes mouches, là, si je suis guppy, j'ai des mouches qui one-shot. Enfin, j'ai des mouches qui font mal à beaucoup de gens. Il faut dire les choses aux abonnés. Hop. Très bien. La Broken Watch, un peu de challenge. Donc, pourquoi pas. Le cœur, c'est cool. La Pills, c'est marrant. One makes you larger. Jaune et blanc. C'est cool, allez, très bien. Et le reste, on s'en tape. Et on peut continuer notre épée à paix. Encore cette salle, on se l'est tapé deux fois. Et elle est pas très propre, cette salle. Voilà. Ok, le dernier va nous faire la même chose. Et bah non. Évidemment, le dernier, faut qu'il fasse chier son monde et qu'il fasse pas comme tout le monde. Pourquoi je suis allé dans cette salle? Ça n'avait aucun intérêt. Alors si, j'ai gagné une bombe, c'était un intérêt suffisant. Et de toute façon, on a lobotomisé la salle, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon temps des fois en faisant des salles, voilà, qui ne servent pas, sachant que je ne joue pas du tout le temps en tant que temps. Je joue le temps juste en mode j'ai juste envie de faire une run qui est pas trop dégueu, mais j'ai pas envie de faire un record, vous voyez. Je joue pas ma vie pour faire le meilleur score du monde, là, c'est pas le projet actuel. Voilà, salut. On remarquera que j'ai pas le temps, hein. Je pourrais essayer de faire le boss de manière assez simple et assez efficace, je préfère taper. Je préfère taper, ça va plus vite. On est à deux items de Guppy, les amis. Le Guppy Pava va arriver. J'aurais dû reroll, hein, mon objet. Malheureusement, j'ai pas eu le réflexe de le faire. On va ici voir ce qu'on y trouve. Ce n'est pas un item de Guppy, mon dieu. Ça m'emmerde. Et on ressort cassant notre cœur noir par la même occasion. Des charges de D6, on en a pas mal. Donc, je suis plutôt ravi. Ah, c'était pas le projet volontaire, mais très bien. Le projet volontaire était plus pour l'autre à côté. Pouf, on en a des clés, donc on peut se permettre. Ah, et on en a encore plus des clés. On gagne des clés en ouvrant des coffres. Si ça, c'est pas la vie. En même temps, avec ce trinket là, c'est simple de gagner des clés en ouvrant des coffres. Là, on va en gagner aussi des clés. Un petit peu, les amis. On récupère Pheromone, sachant que l'autre qu'on a c'est 48 heures off energy. Le choix est vite fait, je vais même pas me prendre la tête à prendre Pheromone et à l'utiliser sur une salle ou je sais trop quoi. C'est une perte de temps, c'est littéralement une perte de temps. Non, ça c'est une perte de vie. Waouh, merci Celtic Cross. Ça c'est une perte de vie assez désastreuse. Voilà, c'est du vol, je l'humilie, c'est très bien ainsi. Voilà, c'est très bien ainsi encore. Très bien, parfait. Voilà, parfait. Petit cœur bleu des familles. Alors, Capricorne, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas ouf, mais avec le dégât qu'on a, ça a un impact quand même un peu. Enfin, un impact. Ça m'a donné 1,70 pour vous dire à quel point c'est pas ouf. Je crois que sur une partie un peu... Genre, si vous chopez Capricorne en starter avec Isaac, par exemple, vous gagnez moins de 1 de damage en plus, et je crois que vous gagnez moins de 0,5 en plus. Donc c'est vraiment misérable, misérable. 1,70, c'est pas ouf, mais c'est tolérable. C'est clairement tolérable, donc je le prends sans souci, moi. Ça me va... Voilà. À partir de maintenant, on aura plus de sacs, ce qui m'a l'air à peu près bien. J'ai pris la batterie parce qu'il y en a plein qui traînent et qu'on doit être arrivé à la fin de l'étage de toute façon. Donc on va voir le boss bientôt. Là, on va rechoper des batteries avec les sacs en plus. Pourquoi j'ai utilisé ça de toute façon ça... Ah si, ça coûte peut-être du temps au timer. Je pensais que ça en coûtait pas, mais peut-être un petit peu. On est à 3 de log. Voilà, j'avais bien fait de prendre la batterie. Et on est face à Mana. Ma main, gentil ma main. Voilà, c'était sympa, merci. Devil Deal. Alors non, moi mon objectif c'est d'être Guppy. Alors non, moi mon objectif c'est d'être Guppy. Alors Guppy, non, tu veux pas vraiment comprendre ce mot, hein. Pas à dire, tu comprends plein de choses mais pas le mot Guppy. Je sais pas si Goat's Head à ce moment de la partie c'était si intelligent que ça, mais... Enfin si utile que ça. Intelligent, c'est un grand terme. Utile, c'en est un autre. Mais bon, ça va nous servir. Hein, mais est-ce que ça va nous servir assez pour rentabiliser?
Oui et non, on va dire que si on joue sur le principe du fait qu'on a beaucoup trop de cœurs, bah en vrai on s'en tape et j'aurais pu acheter n'importe quel item, enfin perdre un ou deux cœurs ou même 3-4 cœurs, ça passait. Est-ce que je garde ça ou est-ce que le reroll peut être intéressant? Je m'en fous de gagner le cœur, le fly m'intéresse, mais si je reroll et que je suis guppy, j'ai le fly. Donc le fly c'est pas un souci vraiment. Le fly n'est pas un souci vraiment. Mais si ça met autre chose que le fly, c'est la merde. Est-ce qu'il y a une batterie? Vas-y, on va reroll. On va reroll ça, les amis. Oh merde, j'avais pas vu les caca roses. Je croyais que c'était des ennemis, donc je leur fonçais à moitié dessus. Je leur fonçais à moitié dessus. Batterie? Non, je connais cette pile. Ah non. Ah non! Ah, il s'est refermé. Ah, on a Abel et on a Jera. On a Jera. Alors, Jera. Ah mais non, j'ai pas la blanche carte, je suis con. Ok. Oh, ça c'est sympa. Oh, ça c'est de la merde. C'était sympa, hein, le truc qu'on avait juste avant. On est en train de perdre du temps en faisant ça d'ailleurs. Dit-il alors qu'il dit qu'il prétendait vouloir aller vite. C'était un menteur. Et voilà, on avait un peltro, c'est vrai. Et j'ai perdu mes cœurs bleus, je suis un peu con, c'est de ma faute. Tac, tac. Et... c'est pas si problématique que ça. Merde, c'est l'autre salle à côté. C'est quoi ça? Judgment, c'est okay. Ok, The Emperor. Donc pour l'instant, je n'ai pas de truc intéressant à proposer pour sauver l'univers. Mais on va trouver des trucs intéressants, mais je les ai pas pour l'instant, donc je dois faire 100, hein. Je dois clairement faire 100. Bon, par contre, les salles se font tellement vite que ça va pas me poser trop de soucis. Pour les Devil Deal, on n'a plus aucun risque. De toute façon, on les a, on a Goat Head. Quoi qu'il se passe, on a 100% de chance. On remonte. Allez, vas-y. Cette fois, je me fais pas avoir. Je vais direct sur la grande salle et pas la petite. À tous les coups, la petite va être utile. Bon, la petite m'est utile pour le D6, en vrai, mais... par contre, très honnêtement, je vais pas aller essayer d'optimiser plus et d'aller rechercher un item parce que c'est loin. Hein, faut pas déconner. C'est un petit peu loin quand même. Voilà, niveau consommable, ça va être rigolo. Hein, ça va être ça à chaque fois. Ah putain, j'en ai plein des D6. Aïe! Ouh, des cœurs rouges. Oui, parce que j'aime bien me faire healer quand même. Il y a des moments où tu te dis, oh, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, la salle du haut était utile. Mon dieu, à chaque fois que je prends la... Oui, bon, bref, là, c'est un peu une private référence que je me fais à moi tout seul. Mais en gros, vous voyez, sur la map, il y a une grande salle et une petite salle. Donc, vous revoyez avant dans l'épisode. Et j'ai choisi d'aller à la grande salle plutôt que la petite parce que je me suis dit que la petite allait mener à rien et que j'allais devoir prendre la grande. Et en fait, à chaque fois que je vais dans la petite, et bah la petite sert à rien. Et là, pour une fois que j'allais pas dans la petite, et bah la petite était utile. Si c'est pas ça la belle vie, qu'est-ce que c'est? Ah, l'Égypte en forain. Alors je ne vole pas, hein. Ah là, ça se voit. Là, je suis grillé. Là, je suis grillé, quand je vole pas, les gens me croient. Squeezie. Ok. Et là, on va reroll et on va devenir un petit chat. Voilà, on est un petit chat. Je suis un petit chat. Miaou, miaou. Alors là, le jeu n'a plus aucun... Oh putain, j'aurais dû reroll l'autre item, je suis con. Le jeu n'a plus aucun sens à partir de maintenant. Je vous l'annonce officiellement. Je vais vous montrer ça ici, si le jeu me laisse faire. Voilà, une salle qui m'intéresse pas. Hein. Cette salle ne m'intéresse pas. Je la fais juste pour le plaisir. C'est pas la salle la plus courte du monde, mais pour le plaisir, bon, ça va. Pour le plaisir, ça va, elle est pas trop longue. Voilà.
Voilà la gueule de ces salles maintenant, à partir de maintenant. Toutes les salles vont ressembler à ça, hein. Je vous préviens tout de suite. N'ayez pas trop d'espoir. Oui, bah écoutez. On va pas non plus se fatiguer, hein. Quitte à gagner du temps, c'est un étage sur lequel gagner du temps est assez facile. Et Devil Deal, oui. Oui. Et on peut y aller. Bonjour, je vais vers le ciel. Bonjour, je vais vers le ciel. Ok, donc la théorie voudrait... Enfin, la théorie. L'idée voudrait que je puisse me suicider pour devenir Judas. Je l'ai pris par principe sans me dire je vais le faire ou pas. J'en savais rien si j'allais le faire ou pas. C'était juste en mode, bon, si je veux le faire, je peux le faire. Voilà l'idée. Ok, ça m'intéresse. De toute façon, des clés, j'en ai plein. Ah, j'ai reroll comme vous avez pu le voir, sauf que j'ai reroll trop tard. Lui, on l'a one shot, évidemment. C'est pas grave, hein, les explosions vont pas nous déranger plus que ça, mais c'est vrai que c'est rajouter du risque. Bon, là, on l'a bien exploité et ça nous a été utile. Mais ça ne sera pas tout le temps le cas, je vous l'assure. Ah, bon, Cricket 7, ça va être drôle. Oh, que 1,37 de dégâts, quoi. En même temps, on a déjà des multiplicateurs de dégâts assez monstrueux. Donc ça a peut-être beaucoup moins d'impact maintenant. Je dis même peut-être, mais je le sais, hein, ça a beaucoup moins d'impact maintenant. Voyez à quel point on humilie le jeu direction le chest. On est à 18 minutes 45. Il faudrait réussir le chest en moins d'une minute 15 pour être en dessous des 20 minutes en in-game time. On est parti, let's go. Espérons prendre une bonne trajectoire. Ouais, tu crèves. Voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, que je t'embrouille. Ça m'intéresse peut-être. Two of Spade, on s'en tape. Je l'ai activé par principe, mais je m'en tapais littéralement. Laisse-moi me barrer, laisse-moi me barrer. Ah, putain, il y a un boss. Il y a un boss, il y a un coffre. Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, on s'est fait brin. Mitre, on s'en tape. On va partir à gauche. C'est ce qui m'inspire le plus. Hop. Parchemin des anciens, ta mère. Ok, là ça va être chaud. Ok. C'est mort. On pourra pas le faire en dessous des 20 minutes, les amis. J'y crois pas trop, sauf si vraiment le truc nous spawn à la gueule là dans 2 secondes et demie. Mais il me reste 15 secondes. Ça me paraît compliqué, hein. Et c'est un cul-de-sac. Et c'est un cul-de-sac. Et il nous reste 5 secondes. Ça ne sera pas possible à cause de ce cul-de-sac pour sûr. Voilà. On est à 20 minutes, les amis. Oh, little girlie. Donc, on n'aura pas réussi à finir en moins de 20 minutes. Après, on aura pris notre temps sur bien des étapes. Hein, on se sera un peu amusé, etc. Mais cette run est hyper puissante. Enfin, on est qu'à 24 de dégâts. Et oui, 24 de dégâts. Lost Contact, c'est monstrueux, là, avec les trucs qu'on a. Mais oui, donc on a 24 de dégâts, 24 de dégâts c'est pas énorme. 24 de... Putain, on trouve vraiment pas de chemin. 24 de dégâts c'est vraiment vraiment pas énorme. Mais ça passe. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme. Attendez, 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 faut qu'on s'entende. Faut qu'on s'entende, sinon on va croire que je suis fou. 24 de dégâts c'est pas énorme pour une run pétée. Je veux dire, il y a plein de runs pétées qui montent à plus de 24 de dégâts. Genre 25,55 comme on vient de le faire. Non, non, plus. Genre vraiment plus. C'est juste que la run est pétée, mais c'est pas par ses dégâts qu'elle est pétée. Elle est pétée par sa cadence de tir, par le fait qu'on soit guppy, par plein de trucs comme ça. Et c'est ça les vraies valeurs qu'elle partage avec, avec tous les Français. Oui, mon bon monsieur, oui, mon bon monsieur. Et donc là, théoriquement, je vais voir à combien. Je crois que je peux enlever la moitié de la vie de l'ennemi. Oh, Spoonbender, ça va être trop cool. Je crois que je peux enlever la moitié de la vie d'un ennemi avec des mouches. Donc là, vous voyez, d'un ennemi égale du boss final, hein, au cas où il y a un doute. Ah, j'ai pas énormément, énormément de mouches, mais je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Voilà, donc je l'ai enlevé plus de la moitié, et il y a encore des mouches qui sont en train d'être produites. Je n'ai pas eu besoin de tirer, les amis. Et voilà, 21 minutes 30, on a fini sans tirer, c'est plutôt propre, hein, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt respectable. C'était, mes amis, la plus belle, le plus beau des mérites pour moi d'arriver à cet épisode 150. Isaac, c'est pas fini et ça continue. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce vert pour soutenir la série si vous voulez que ça continue encore et toujours. J'espère qu'on sera encore là à l'épisode 200, je ne sais pas, peut-être que ça arrêtera avant, qui sait, on ne sait jamais. Bref, les amis, on se laisse, on se dit à la prochaine, c'était Unstar Bleachers. Oh yeah! Allez,
Bye bye!